Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. On va dire que ça va plutôt bien. C'est pas la grande forme, mais je suis pas non plus au fond du trou. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Twitter où je suis très actif, je ne vous encouragerai jamais assez de me suivre sur ce réseau social que j'adore énormément. Vous allez apprendre énormément de choses par rapport à Karim, c'est-à-dire la personne que je suis en dehors de YouTube. Je livre pas mal de choses un petit peu plus privées, mais aussi des choses par rapport à Monsieur le Védou, c'est-à-dire la personne qui vous divertit sur YouTube et qui tente de vous proposer des vidéos de qualité. Donc voilà, si vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses sur ces deux personnes, le mec il devient schizophrène, commence à péter un câble. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social. Vous le savez, donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ma vie a pris un tournant assez radical, même si on va dire que ça s'est fait... en douceur, parce que ça aurait pu être pire. Ma vie a changé, enfin ma vie va changer. Et c'est vrai que je prends ça avec un petit peu de enfin je prends ça avec je suis pas super bien, on va dire ça comme ça. Donc pour les petits curieux, vous irez voir sur les réseaux sociaux de quoi je suis en train de vous parler. Mais voilà, je vais pas épiloguer sur cette vidéo parce que déjà premièrement je pense qu'il y en a certains on n'ont rien à foutre. Ils veulent tout simplement passer un bon moment avec moi et je les comprends totalement. Mais aussi parce que je pense que c'est pas le moment. Et ceux qui seront curieux, je pense qu'ils iront soit sur Twitter, soit ils iront, enfin soit ils attendront la vidéo FAQ où je pense aborder un petit peu le sujet, histoire de clarifier certaines choses. Donc quand je suis triste, en général, soit je m'investis énormément dans le sport, c'est-à-dire que je suis, vous le savez, hein, à la base j'ai un cursus sportif, enfin j'ai eu des études dans le sport, j'étais en fac de sport, STAPS pour être plus précis, et donc j'ai toujours, lorsque j'ai eu des petits soucis, j'ai toujours, on va dire, mis je me suis toujours concentré sur le sport et j'ai fait énormément de sport histoire de m'aérer la tête, donc c'est exactement ce que je vais faire là, c'est-à-dire que je suis en période de sèche pour ceux qui me suivent vraiment assidûment. Une période de sèche, c'est quand vous retirez tout le gras avec un régime assez strict et pas mal de cardio. Lorsque vous essayez d'assécher votre corps de tout le gras après une période de masse. Quand on fait une période de masse, on a tendance à prendre beaucoup de muscles, mais aussi du gras. Et du coup, bah, c'est pas forcément super joli à regarder. Donc voilà, je vais tenter de faire de mon mieux histoire d'avoir une définition musculaire la plus belle possible. Donc voilà, ça me permettra aussi bien de m'aérer la tête et d'aller un petit peu mieux. Mais aussi, en général, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à énormément me préoccuper de mon travail. Et là, en l'occurrence, mon travail, bah, c'est YouTube. Et du coup, je vais tenter de vous proposer beaucoup plus de vidéos. Alors certes, je vais peut-être un petit peu simplifier les vidéos que je vous proposais. C'est-à-dire que souvent, lorsque je voulais faire une vidéo, fallait qu'il y ait, on va dire, un objectif précis. Il fallait qu'il y ait un sujet. En l'occurrence, je pense que maintenant, je vais tout simplement refaire ce que je faisais à l'époque de tout début de ma chaîne. C'est-à-dire, lorsque je faisais un bon gros gameplay, bah, je vous le proposais tout simplement parce que c'était un bon gros gameplay. Et pas parce que j'avais un sujet précis à aborder. Ou après, voilà, on peut peut-être faire les deux. On peut peut-être justement trouver des sujets. Enfin, on peut, genre comme si on va travailler ensemble. Je peux vous proposer, on va dire, des sujets bien précis, des débats, des choses comme ça, tout en regardant justement un gros gameplay. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Excusez-moi, petit bug. C'est ce que je vais faire prochainement, en utilisant quelques gameplays aussi bien d'Advanced Warfare comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi des gameplays d'anciens codes, en l'occurrence Ghost. Oui, j'ai bien dit Ghost. Je vais vous proposer un petit peu de Ghost. Alors attention, hein, je vais pas vous proposer 10 millions de gameplays, loin de là, mais déjà, on va commencer par un premier gameplay que je vous proposerai très prochainement au fusée à pompe où j'ai fait un sacré score. Donc, ça arrivera très prochainement. Mais voilà, comptez sur moi. J'ai pas forcément été très actif ces derniers temps et c'est vrai que je le regrette un petit peu. Je le regrette un petit peu, mais comme vous le savez maintenant, j'ai eu pas mal de choses à gérer dans ma vie privée et maintenant, ça ira, on va dire, un petit peu mieux. Donc aujourd'hui je vais vous proposer, on va dire, une tentative d'ENA. Alors qu'on soit bien clair, ce n'était pas à la base le... enfin c'était pas souhaité. J'ai tenté, on va dire, la DNA au bout d'un moment où j'ai vu que justement je commençais à être en série. Mais sinon, je sais pas, j'ai commencé la partie, je me suis dit, Karim, tu vas faire une DNA, enfin tu vas la tenter, et puis voilà. En tout cas, c'est ce qui se passe assez régulièrement pour moi. C'est-à-dire que la plupart du temps, soit je pars dans l'optique de ne pas du tout la tenter, et justement elle peut passer, soit au contraire, quand j'essaye de la passer, justement, ça ne passe jamais. Je suis donc avec la All Puncher. Alors certainement, le fait de jouer à la All Puncher va rendre le gameplay un petit peu
un petit peu moins agressif que ce que je peux vous proposer en temps normal. Forcément, sur Comeback, lorsque vous jouez à la Hole Puncher, vous êtes obligé de rechercher, dans la mesure du possible, le long shoot. Parce que avec toutes les ASM1, les balles 27 que vous pouvez avoir justement sur cette map, hein, parce que c'est quand même deux armes qui vont avoir, on va dire, un intérêt particulier. Bah voilà, avec la Hole Puncher, je ne peux pas rusher au middle comme je le souhaite. Il va falloir que je sois plus malin dans mes déplacements. D'ailleurs, vous avez pu voir que l'on joue contre des mecs qui sont pas dégueulasses. Pourquoi je dis ça? Bah tout simplement parce qu'ils débloquent des streaks et ce qui me rend aussi mes déplacements un petit peu périlleux. C'est pour ça aussi que vous avez pu observer que des moments je restais dans un bâtiment tout simplement en attendant que la foudre passe. Il y a eu un foudroiement tout à l'heure. C'est un foudroiement ou un bombardement? C'est pas comme en ce moment, je suis sur beaucoup de call of différents. J'ai tendance à mélanger un petit peu tous les streaks. Donc il y a eu un foudroiement ou un bombardement. Et ensuite il y a eu les fameux tanks là, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui me rendent complètement dingue sur cette map. Donc forcément, on va dire que je restais prudent et je me cachais telle une petite merde intersidérale. Ensuite, donc, vous pouvez voir aussi que je débloque mes streaks, mais que, comme j'ai pas envie, on va dire, de me perdre au niveau du compte, parce que voilà, ça me permet aussi, moi, de savoir combien de frags il me reste à faire pour avoir cette fameuse DNA, et aussi, parce que j'ai pas envie qu'on me vole j'ai pas envie que mes streaks me volent des frags. Je pense que c'est plus facile pour moi aussi de gérer un petit peu les déplacements adverses. Et là, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les adversaires sont pas bidons, hein. ils viennent de le lancer un petit paladin. Et donc forcément bah je suis bien obligé d'attendre, comme j'ai pas l'atout qui me permet d'être invisible justement au paladin. Et quoi qu'il arrive, même si on est invisible au paladin, c'est pas rare de se faire démonter par ce dernier. Parce que justement bah, le mec il a des yeux, hein. C'est pas parce que vous êtes invisible au paladin que le mec ne peut pas vous localiser sur la minimap en train de courir. Enfin sur la map en train de courir. Donc voilà, on reste caché, on attend patiemment. Alors certes, ça fait un gameplay un petit peu décousu, on a l'impression que le mec campe, mais là, clairement, on n'a pas le choix. Je pense que ça, vous pouvez le comprendre. D'ailleurs, quand je parlais des adversaires, les adversaires sont loin d'être bidons, même si à un certain moment, on a l'impression qu'ils sont un petit peu teubés. Et c'est ça aussi que je veux parler avec vous, c'est que beaucoup de personnes me disent, Karim, à chaque fois que tu proposes une tentative DNA, c'est toujours une DNA fail. Faut savoir les gens que moi je suis du même avis d'ailleurs que Gotha, qui en a reparlé encore dans sa dernière vidéo, enfin son avant-dernière. En ce moment il publie pas mal Gotha, donc je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Mais en gros il vous présente un gameplay sur Advanced Warfare. C'est pas sa dernière vidéo. Il parlait en fait du partenariat Sony qui vient d'être réalisé par Call of Duty. Et du coup il dit à un moment donné, ouais, moi les gars, je peux vous proposer des DNA autant que fois que vous voulez, des gros gameplay, de tout ça. Je ferai du reverse boosting comme font la plupart des youtubeurs, ou sinon je vous propose comme ça un gameplay qui sera nerveux, mais où je vais mourir pas mal de fois parce que je joue contre des mecs de mon niveau. Et bah écoutez, moi je pense exactement la même chose. Là les mecs, ils sont, même si parfois ils ont tendance à être un petit peu teubés, on le voit bien, ils me cherchent. Là vous avez pu voir, je suis resté un petit peu un moment dans le bâtiment d'en face. Ils sont direct venus me chercher, j'en ai eu deux qui sont venus me chercher. Donc voilà, ils savent que je suis en série et ils essaient tant bien que mal de me casser ma série. Et voilà, donc je préfère justement avoir une DNA fail, mais une DNA fail contre des joueurs bons, plutôt qu'une DNA réussie contre des plots. Enfin voilà, après ça reste ma vision des choses. Et tout comme Gotha, je vais vous proposer justement, si vous préférez voir des DNA quoi qu'il arrive, et que ce soit contre des mecs qui savent pas jouer, bah voilà, n'hésitez pas à le dire. Je ferai exactement comme font la plupart des youtubeurs, c'est-à-dire ceux qui savent ce que c'est le reverse boosting, voilà, j'ai pas besoin d'en parler de vous en parler un peu plus, mais voilà, je pourrais faire exactement de la même manière. Mais voilà, je pense que je connais un petit peu ma communauté et clairement ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez voir dans mes vidéos. Donc voilà, nous sommes à 23 frags, il reste 1 minute 35. Clairement il fallait que je me bouge le cul et surtout que je me retrouvais en déficit de munitions. Donc du coup je vais récupérer justement l'arme de ce mec là et je vais tenter, on va dire, de rusher le point C, parce que justement c'est censé être l'endroit où les adversaires sont en train de spawn. Mais vous allez voir que quand je vais arriver, il y aura plus grand monde. Et c'est souvent là, quand une DNA elle est fail ou quand elle est réussie,
C'est souvent là que vous... Non. Quand elle est réussie, on s'en bat les couilles en vrai. Je suis en train de raconter de la merde. Parce que c'est vrai que quand elle est réussie, on s'en bat les couilles. Mais quand elle est ratée, on a tendance à se dire putain, si j'avais fait ce déplacement là, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et bah franchement, ça vous blase un petit peu. Et vous allez voir que si vous avez envie de vous repasser ce gameplay, vous allez voir que j'ai fait quelques petites erreurs qui vont me coûter la DNA. Voilà, je vais pas vous, je vous spoil, mais voilà, de toute façon, elle est morte. Enfin, ma tentative est morte. Excusez-moi, à 27. Donc, je vous spoil de quelques secondes. Donc voilà, c'est pas grand-chose. Je me fais fumer par ce petit bâtard qui était dans ce petit coin. Excusez-moi pour le gros mot, parce que je sais que certains prennent pas très bien le fait que des fois, je me lâche un petit peu et que j'ai tendance à exprimer mon mécontentement, à exprimer ma rage. Mais voilà, faut pas oublier les gens, les youtubeurs sont des gens comme vous. Quand si vous ragez et que vous insultez parfois vos adversaires, hein, sans pour autant mettre le micro, parce que ça je trouve ça pitoyable. Nous aussi, on est comme vous, on n'a pas de raison de faire différemment. Donc pour ceux qui peuvent être un petit peu choqués des mots que je peux employer, voilà. N'oubliez pas les gens que Call of Duty ça reste un jeu qui normalement est destiné à des adultes et qui du coup je suis censé m'adresser à des adultes même s'il faut, voilà, faut pas être hypocrite, je sais très bien qu'il y a énormément de jeunes qui jouent et que du coup je dois quand même faire un petit peu attention à ce que je dis. Mais bon, je suis persuadé que ces mêmes jeunes à mon avis sont pas les derniers à dire des insultes. Bref, sur ce les gens, je vous laisse, je vous souhaite... Attendez, je dois vous dire une petite chose. Là je vais m'adresser aux Belges ou ceux qui habitent pas loin de la Belgique. Je serai au eSport Festival, donc ça se situe à Gant. Enfin, je sais pas si ça se dit Gant ou Gant. Je pense que les Belges vont sûrement se foutre de ma gueule. Donc, de toute façon, je mettrai le lien dans la description. J'y serai tout le week-end. Enfin, vendredi, samedi, dimanche pendant l'event. Donc, si vous avez envie de passer, faire un coucou, si vous avez envie d'assister à cet événement qui va être monstrueux, hein, je vous rappelle que c'est dans un stade de foot. Le tout nouveau stade de foot de Gant. Enfin, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, n'hésitez pas à regarder dans la description de quoi il s'agit. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je sais que lorsque vous avez parlé de l'ESWC, il y a certains qui étaient un petit peu dubitatifs. Ils m'ont dit ouais, c'est pas quelque chose qui risque de m'intéresser, tout ça. Et quand ils ont vu la vidéo, ils ont dit mais putain, c'était un truc de fou, j'aurais dû y aller. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour, j'y serai. Si vous avez envie de me serrer la main, discuter un petit peu avec moi, prendre quelques photos, signer quelques petites choses, je serai à votre entière disposition. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.